Salut à toutes et à tous, c'est SevenFall71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, une vidéo qui n'arrive qu'une fois tous les ans maintenant, enfin depuis un bon bout de temps, vous allez me dire, il s'agit de Call of Duty Advanced Warfare, le tout nouveau opus de cette licence, donc Call of Duty qui est de plus en plus critiqué, et puis, après un épisode complètement catastrophique, complètement merdique, complètement à chier, à part la campagne, solo pour ma part, j'ai bien aimé, mais bon, Ghost était en général complètement raté, complètement pourri, donc on en attendait beaucoup de ce Call of Duty Advanced Warfare. Personnellement, moi, mon Call of Duty qui reste pour moi le mieux et que je préfère, c'est Black Ops 2, et celui-ci avait apparemment l'air pas mal de reprendre sur Black Ops 2, donc j'ai fait tout à l'heure, là, une bonne session contre les bots, histoire de me familiariser avec cet exosquelette, le temps que la mise à jour se fasse pour pouvoir représenter la découverte du multijoueur. Donc maintenant, hop, go! Let's go in the multijoueur, in the multigaming now! Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de à peu près potable. Donc j'ai jamais été bon dans un Call of Duty, donc je pense pas que ça va commencer aujourd'hui. Alors, jouer en ligne, partie locale, non, oui, bah oui, mais jouer en ligne. Donc déjà, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, j'ai jamais été bien bon, et puis à mon avis, il y en a déjà qui sont déjà certainement bien, mais alors bien rodés dans le jeu. Ça, on s'en fout, continuez, non mais oui. Qui sont déjà bien rodés, donc à mon avis, ça va être plutôt compliqué. Je pense que je vais me faire défoncer. Nous sommes lundi soir, donc le jour du Day Zero. Alors, Arsenal, partie privée. Oh, on peut faire pivoter son personnage, et sans déconner, ça c'est cool. Ça sert absolument à rien, mais bon. Créer une classe. Alors, très très bien. Donc, on a quoi? On a là. Je peux créer une classe par exemple. Je peux prendre la. Ah oui, ce sera. Ah, mais d'accord. On peut rien prendre du tout. Par contre, attends. Sérieusement, par contre, là, je vais changer. Attends. Hop. On va enlever ce truc dégueulasse. On va prendre un pistolet parce que. C'est quand même beaucoup mieux. Tout ça, on va déjà y enlever. On peut vraiment faire une classe vraiment bien, d'après ce que j'ai compris. Moi, j'aime bien les grenades paralysantes, donc je vais prendre une grenade para. Même si je ferais peut-être mieux de prendre, je sais pas. Poids plume, profil bas, c'est quoi? Empêche les drones et cartouches de prendre poids plume. Augmente la portée de la mini-carte, la position ennemie ne s'affiche pas quand vous les éliminez. Indétectable par les drones et trackers, les drones explosifs et tous les séries. Je vais peut-être prendre ça pour commencer. Robustesse ou isolement. Protection totale contre les piratages. Je vais garder robustesse, ça me paraît pas mal. Donc finalement, j'ai pas vraiment grand chose. Je préfère me booster au niveau des atouts, mais là je peux pas. Donc autant prendre des séries. Reviens. Autant prendre des séries de points. Donc on va se prendre des séries de points. On va prendre un drone. Bah, visiblement, en fait, j'ai pas le choix. Donc j'aurais mieux fait de fermer ma gueule et le laisser comme c'était tout à l'heure. C'était très bien. Là, c'est quoi le Lynx qui était, je crois, sur Black Ops. Ghost, je veux dire. D'accord, ouais, donc bon, on va faire une classe. Il y a quoi comme fusil d'assaut, mitraillette, MP11. La MP11 m'a l'air pas dégueulasse, tiens. Voilà, après le reste, je vais mettre plusieurs armes histoire de tester vite fait à quoi ça ressemble. Quoi, les fusils. Ah, d'accord, on a que ça comme sniper pour le moment. Je vais mettre un peu tout comme ça, je vais tourner histoire de vous montrer après toutes les armes qu'il peut y avoir. Bon, je pense que vous avez déjà tout vu, le fusil à pompe. Et cette fois-ci, on va prendre les armes lourdes ou les spéciales. Les armes lourdes, on va prendre celle-là, elle m'inspire plus confiance. Voilà, opérateur, il y a quoi dedans? Personnalisation, carte d'agent, tac tac tac, arsenal, partie privée, boutique. Allez, chercher une partie. Qu'est-ce que je lance? Est-ce que je lance une match à mort par équipe ou une domination? Ça, c'est la grande question. On va commencer par le MME, créer une classe, opérationnalisation. Allez, vas-y, on va rechercher une partie. Donc, nous sommes sur PlayStation 4, comme vous avez pu le remarquer, c'est tout bonnement génial. Le jeu pèse très très lourd, puisqu'il pèse presque 50 gigas. Oui, c'est exactement ça, 49 gigas. Filou, alors, qu'est-ce que. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, on peut voir les. Ah oui, on peut voir vraiment les personnages. Et ce que jouent les gens, ça c'est bien. On peut voir si les gens jouent pupute ou pas pupute du tout, d'accord. Le morse, donc nous avons un sniper, un AK-12. Nous avons un balle 27. Par contre, on voit pas vraiment les types de grenades utilisées, c'est un peu dommage. Ça c'est moi, hein, visiblement. Donc j'ai des petites paires de lunettes. Ok, très très bien, ça c'est très très bien, donc vas-y, c'est parti pour la phase torture maintenant. On va se faire défoncer, mais royal, j'ai vraiment peur, j'ai vraiment très très peur.
J'ai comme qui dirait la chair de poule. Non, je sais pas. J'appréhende très très mal cette partie. J'ai peur, j'ai peur. Je sais pas. Je suis un peu excitation également de découvrir ce Modern Warfare, ce Advanced Warfare, pardon, en ligne. Allez, personnaliser. Fais voir vite fait ce qu'il y a là. Tac tac tac. Non, on va prendre personnaliser. Donc, faut savoir que je suis un grand joueur de snipe. Non, pas du tout. Je suis AK-12. Match à mort par équipe. Ok. Allez, match à mort par équipe. Tous les agents autres que ceux de Sentinelle sont considérés comme je peux comme faire mes trucs avec ça. Donc je vais déjà essayer de monter sur un toit pour voir si ça marche. Ouais, tiens, ça marche. Donc du coup, on va peut-être... Allez, on peut pas monter là-dessus. Merde. Oh, c'est pas grave, on va essayer de défoncer du genre. On va pas... Hop, vas-y. Est-ce que tu vas mourir, toi? Je vais rester derrière toi des fois que tu meurs. Oulala, il y a peut-être du monde par là. On va passer... Oh oui, premier qui... Oh, second kill. Ah, tu prenais ça dans votre tronche, les gars. Attention, dash sur le côté. Ok, très très bien. Là, j'en ai fait 3 de suite, c'est plutôt cool. On va essayer de rester sur une bonne petite série, ça peut être sympa. A mon avis, ça m'étonnerait que ça reste comme ça bien longtemps. Mais c'est pas grave. Ok, ok, ok. Chaud cacao. Oh, il y a quelqu'un dans le coin, là. Si tu peux l'avoir. Hey. J'essaie de buter. Merde. Ah, j'avais pas qu'il était mort. J'aurais su qu'il était mort, je me serais focalisé sur lui derrière et j'aurais pu l'avoir. Voilà, très très bien. Non, franchement, pour le moment, ce Call of Duty a l'air quand même beaucoup plus intéressant que Ghost, qui était complètement pourri, on peut le dire. Hein. Je sais pas, je m'en cache. Une grenade! Vas-y, je te renvoie ta grenade, mon pote. Quelqu'un ou quoi là-bas dedans? Non, je sais pas. Je sais pas du tout s'il y a quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? What? Le mec devait savoir que j'étais là. Enfin, y a pas d'autre moyen. Ouh, j'ai vu quelqu'un là-bas dedans. Ah, assistance, ça c'est cool. Je sais pas du tout si quelqu'un. Je sais pas du tout par où les gens arrivent. Ouh, toi t'es un beau campeur. Mais bon, je m'en fous, t'es mon équipe, donc tu fais ce que tu veux. Oula, mais vous savez qu'on est dans un jeu qui est censé être beaucoup plus dynamique qu'auparavant. Le but c'est de bouger, les gars. Oh, faut profiter de cet exosquelette absolument magnifique. Putain, il s'est fait un double kill easy, le mec. Pour le moment, je me sers pas trop de l'exosquelette, je dois vous l'avouer. Hop. Il y a quelqu'un qui arrive, non? C'est plutôt pas mal, je crois. Ouh, il y a vu un petit point de. Oh, attends, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui arrive par là-bas. Drone ennemi au-dessus! Non, visiblement, il n'y a personne, donc je vais passer par là. Hop, 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 on va faire tout doucement. Ok, ok, très très bien, il n'y a absolument personne. Je sais pas... Ah, je crois qu'il y avait une fenêtre. Ah oui, d'accord, il y a une fenêtre, mais elle est bouchée. Ok, autant pour moi. J'ai complètement losé là-dessus. Alors, bonjour. Ah! Bonjour! Bonjour! Par contre, je vais hop, dasher un petit coup histoire de se mettre à l'abri vite fait. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas loin là. Quelqu'un qui a dû me voir. Ah, bonjour, non, ok. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Il me bloque, il me court dessus. Ok, très bien. Donc j'aime bien les maps déjà, je le trouve mieux fait que dans Call of Duty Ghost. Oh putain, elle ressemble un peu à celle de Black Ops 2 et ça c'est pas pour me déplaire. Ok, donc là je fais pas beaucoup de kills, hein. Je sais pas du tout par où arrivent les ennemis. Ok, le mec il est là-bas en haut sans pression, là je sais pas ce qu'il nous fait. Je suis de l'avoir, mais c'est pas garanti. Il fait un peu de bruit là. Oh non! Ok. Ok. Ok, très bien. Bonjour, bonjour le monde de la neige. J'ai fait une Schumacher. J'ai fait une Schumacher. Ok. Très très bien. Ok. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, visiblement. Il n'y a absolument personne. Allez, bon. On va essayer de trouver du genre parce que là, visiblement, ils sont pas vraiment de sortie, hein, ces petits Google là. Si tu peux me permettre. Bon, bien sûr, ce n'est absolument pas méchant. Ok. Oh putain, toi, tu t'es fait défoncer. C'est-à-dire qu'il y en a qui... Oui, il y en a qui est pas loin. Oh, oh, oh. Ah d'accord, en l'air, ok, très bien. Ok, moi aussi je vais en l'air, regarde, je me pose sur le petit truc là, je m'allonge dessus et je bouge plus. Je campe comme une grosse pute. Oula, ok, j'ai fait le con. Ouh, il y a peut-être quelqu'un en face. Quelqu'un en face. Passer par la fenêtre, non? Personne. Oh, oh, oh. Ok, il est où? Il est où? Putain, je pense qu'ils sont tous au-dessus. Comment je fais pour aller en l'air aussi? Enfin, pour aller sur toi, je comprends pas où elle est. Il est par là, attends. Oula, fais pas le con. Là j'ai chié un peu dans la colle. Là j'ai chié dans... Ok, je vais recharger. Oh putain, il est là. Oh, je l'avais pas vu. Putain, j'avais bien commencé, mais là qu'est-ce que je fais de la merde? What the fuck? Il y a quelqu'un encore dans le... T'as vu quelqu'un toi? Moi je vois personne. Je sais pas. Pourtant les maps sont d'une taille très correcte, mais je vois personne. Faut penser à regarder en l'air. Oh, you. Oh putain, il est au coin. Oh là 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 là, mais en fait, il y a tous les petits recoins à vérifier. Comment on fait pour aller score comme ça? 6-7, donc il faut que je refasse un kill pour pouvoir passer en positif. Bon, de toute façon, comme je l'ai dit, de toute façon, j'ai toujours été nul dans un Call of Duty. Donc ça va pas changer maintenant. What? Le mec laguait, je lui tirais dessus en premier, c'est lui qui me tue. Pourquoi?
On a bien vu, vous êtes hors limite. Ah, ok. Goliath ennemi en approche. Maintenant, c'est moi qui tue mon pote. Bon, plus qu'un kill pour revenir en passe. Ah, position grade, promotion grade 3. Au moins, j'aurais eu le mérite de monter d'un grade. Bon, c'est sûr que je vais pas faire les parties que B-Boy a fait sur sa première game. Ça, c'était tout à fait logique. Donc, je vais passer par là, ou par là plutôt. Vu qu'il est sur l'autre contrôle. Côté. J'ai peut-être plus de chance de tomber sur quelqu'un par là, je pense. Tout à fait. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Mais on peut même plus s'accroupir dans ce jeu en fait. Ah si, avec... Ah d'accord, autant pour moi. Ah oui, toi t'as l'air plutôt costaud. Excuse-moi, je m'en vais. J'ai absolument rien fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai. Oh, attends, il y a quelqu'un là-bas. Je sais que je suis. J'essaie d'aller assez vite. Voilà, kill facile. Hop, il était en train, je pense, d'utiliser son petit drone. Ouh, il y a du monde. C'est pas facile. Ah mais je suis trop con. Au lieu de m'acharner, j'aurais utilisé le dash pour me cacher derrière le mur. Je serais encore vivant, mais bon. Voilà, quand on est têtu, on est têtu. Hein, on change pas les gens comme ça. Bref. Ah, c'est, en tout cas, c'est très très fun. Où il y a quelqu'un. Attends. Il regarde par là. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans. Lancement du colis stratégique. Je sais pas si c'est peut-être quelqu'un. Hop là. Non, il y a personne. Ok. On peut pas dire que je campe moi au moins. Hein. On peut pas dire. Je cours et tout, mais je cours pas grand monde. C'est un peu dommage. Je pense qu'en tout cas que là-dedans c'est obligé qu'il y ait quelqu'un, en tout cas il y a tout le temps quelqu'un là-dedans. Et visiblement tout le temps sauf maintenant, est-ce qu'il est passé où? Il est encore en l'air, ah oui t'es mort, boum, au revoir. Ah ça compte les assistances pour très longtemps apparemment, puisque quand j'ai tiré sur le mastodonte, le gars est mort maintenant et voilà, bah bref. Donc où c'est qu'ils sont? Il y a peut-être... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, très bien. Oh putain, j'avais tué quelqu'un pour une fois dans ma vie. Mais laissez-moi tranquille. Hop, ok. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que ce bruit là? On se croirait dans une usine. Alors attends. Je ne comprends plus. Je ne sais pas où je suis. Il y a quelqu'un là. D'accord, ils sont deux. Putain, ça me saoule parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y en a un, il me tue, ça m'énerve. Combien est-ce? 9, 11. Oh, c'était 4. Oh putain, j'ai 3 barres en plus, c'est étonnant. C'est étonnant, bon, surtout que je télécharge un DLC pour ce jeu. Enfin, un code promotionnel pour être exact. Bon là, on voit pas trop ce qu'il y a dedans, là par contre c'est un peu violent. Bon, en général, ils sont tous... D'accord, toi t'es avec moi. Non, c'est pas vrai, mais ça fait deux fois que je tombe là-dedans. Je suis un boulet ou quoi? Faut que je fasse attention un peu. On est plus en tête. Attention. Ah ah! Allez, voilà. Et mais il en faut des balles pour tuer par contre. C'est vrai qu'on... De reconnaissance ennemie en approche. Meurs, bâtard, voilà. Voilà, enfin du kill là. C'est quoi ce truc? Je dégage. Non, je ne veux pas mourir. What? D'accord, il y a quelqu'un au-dessus. Mais c'était quoi ce machin là qui me poursuivait bizarrement? Ok, je vais passer par là, il y a peut-être du monde. Ça me saoule là d'être par terre, je me fais défoncer à chaque fois. What the fucking shit, bro? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toute cette lumière? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer là? Oui. Là-bas, par contre, on peut pas. Oh, je vais essayer un truc. Je vais attendre un peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se pointer. Je ne sais pas. Je vais voir. Attention, temporisation. Temporisation. Oh putain, il y a quelqu'un qui est dans le coin. J'ai vu un petit truc. Ok, défaite. Ouais, bah oui. Hein. Un score vraiment pourri. Donc, on va essayer de faire une meilleure game. Après, bon, je vais essayer de faire un truc mieux. Parce que là, 11-13, bon, c'est pas non plus hyper dégueulasse pour une première partie. Mais c'est pas bien non plus. C'est pas bien du tout, même. Je suis 3ème. Bon. Puis il faut dire aussi que ça fait combien de temps que j'ai pas joué à un Call of Duty? Bah ça fait presque un an. Hein. Bon, j'ai joué à Black Ops 2 l'autre coup, il y a pas très longtemps, mais bon, une journée. Ouais, ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas touché à un Call of Duty, donc bon, j'ai quelques excuses quand même. Et j'ai jamais été bon non plus dans un Call of Duty, donc ça me fait encore une excuse en plus. En fait, vous apprenez que là, que je suis juste en train d'essayer de trouver des excuses à droite à gauche. Alors que le mec il est juste complètement nul et il fait une vidéo sur Call of Duty. Donc c'est génial. En tout cas ce jeu est bien sympa. Ce jeu est bien sympa, il donne vraiment envie de jouer par rapport à Ghost. On s'en fout un peu de tout ça là, voilà. Je suis passé niveau 5. Créer une classe, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Je sais pas, par rapport à ça là. Est-ce que j'ai des fois des mitraillettes en plus? Ah j'ai ce fils d'assaut. Par contre le AK-12 fait plus de dégâts mais a une moins bonne précision. Mitraillette, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'on a écrit les niveaux où on débloque? Niveau 10, niveau 24, niveau 44. Ok. Ok, d'accord. Ouais, bon, je pense, de toute façon, je sais pas si je vais arriver au niveau 44 un jour, mais... Enfin, 50 un jour, mais... Ce qui est sûr, c'est que si j'y arrive, je ne... Bon, je vais faire aléatoire, voilà, je vote. Ce qui est sûr, c'est que je ne... Merde, comme on dit. Je ne...
Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, tant pis. Voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo de... Je sais plus quoi, achat hebdo mensuel, voilà. Je perds la mémoire, je sais pas, je dis, puis après je me rappelle plus. Ok, bon. What the fuck, c'est moi qui... Ah non, d'accord, j'ai eu peur. Au moment où j'ai cliqué sur Arsenal, ça est venu tout noir. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi pas que j'ai tout fait planter. Non, 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 tout va bien, ok. On est cool, on est sur Advanced Warfare, toujours sur PlayStation 4, en live, bien entendu. Enfin, en live, je veux dire, je cause en même temps que je commente. Hein, ce n'est pas une commentary différée. Ouais, je commente en même temps. Donc bon, ça fait également encore une excuse en plus pour faire des scores pourris. Bon, vous savez très bien, de toute façon, que je suis pas bon. On va essayer de Starm, si je meurs une fois avec elle, on changera. On va essayer plusieurs armes, comme j'ai dit tout à l'heure, histoire que je vous montre 2 XP. Ah, mais c'est XP double, c'est pour ça que ça monte vite comme ça. D'accord, oui, parce que quand j'ai regardé la vidéo de B-Boy, un des youtubeurs que je regarde le plus... Ah, d'accord, ok, j'ai le chic pour tomber, en fait. Ok, mais je suis très très fort. Putain, mais le mec, quoi, les dégâts du personnage. Non, pas là. Ok, eh, mais c'est dangereux. What? C'est dangereux le truc de fou là. Attends, t'as des troupes partout. Putain, j'ai eu peur du vide. J'ai le vertige, les gens. Oh, wow! Oh, oh. Putain, j'ai des réflexes surhumains. Ok, bah par contre là, ça l'a pas fait du tout. Je voulais m'appliquer, etc. Mais je pense qu'en fait, c'est une grave tuerie, cette traite au corps à corps. Mais alors, de loin, ça doit être une vraie merde. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Je peux monter là-dessus? Oh, je peux monter là-dessus. Oh! Oh, c'était joli ça. Oh, c'était joli. Mais voilà, je fais des bons early game, mais après, je fais de la merde. Par contre, tu as vite te calmer, mon gars. Tu as vite resté où t'étais. Calm down! Ok. Oh, il est mort. Oh, putain, mais sérieusement, qu'est-ce que je prends plaisir pour le moment à jouer à ce jeu. Mais c'est un truc de malade. Ce Call of Duty va refaire. Je pense que ce Call of Duty, de toute façon, j'avais le pressentiment qu'il allait vraiment refaire revivre la franchise. Bon, hop. Il n'y avait pas quelqu'un d'invisible là Ah d'ailleurs en parlant de trucs, j'ai un machin moi, c'est quoi? Je m'en rappelle plus. On va l'activer, on verra. Ah d'accord, je cours plus vite. Je cours très très vite. J'ai un drone, j'ai un kill streak. Mon premier kill streak sur Call of Duty Advanced Warfare. Ok. On se calme. On va essayer de faire une bonne série, mais bon à mon avis ça va être très compliqué. De toute façon ça va être, je vais mourir, hein. On va pas se leurrer. Mais visiblement c'est... Non, enfin je suis déjà mort une fois, de toute façon en tombant dans le vide comme une grosse merde. Visiblement le drone n'est pas très efficace par rapport à d'autres. Franchement là j'ai fait aucun kill grâce au drone. Je vais essayer de pas me faire repérer avec. Non, il est au-dessus. Il est au-dessus. Ok. Est-ce qu'il est mort? Recharge. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait mais... Ah mais j'ai plus de munitions. Oh mais... Voilà, et ben voilà. Bon maintenant par contre faut que je reste à distance parce que sinon ça va pas du tout le faire. Ok. Par contre c'est perturbant, il y a aucun son, aucun bruit dans mon casque. A mon avis c'est plutôt le casque qui est mal réglé. Bah de toute façon je l'ai pas réglé, hein. Je m'en sers que pour faire... Ah. Voilà, je m'en sers que pour faire des vidéos donc du coup ça me sert à rien. Donc là je suis en sanguinaire, donc je suis pas encore à la nucléaire ou je ne sais quoi. Donc là... Ouais voilà, donc bon, série brisée, mais c'est pas grave, j'ai une tourelle, la tourelle je vais la foutre dans un endroit un peu stratégique, c'est-à-dire complètement ici qui servira absolument rien, mais c'est pas grave, on va essayer de monter un peu en l'air, voir si je peux trouver des gens, voir si je peux, oh il y a du gens là, oh il y a du gens là, est-ce qu'ils vont passer par où aussi, ok il y a quelqu'un là-bas en haut. Oh punaise, je voulais faire un truc propre, mais non, ça a pas fonctionné du tout ce que je voulais faire, je voulais utiliser... Ok, c'est un pote. Je voulais utiliser un cool dash pour faire quelque chose de propre. Mais visiblement, ça n'a pas du tout fonctionné. J'aime beaucoup cette petite mitraillette, honnêtement. Là. Non, j'aurais dû viser depuis le début. Ma grosse erreur, ça a été d'arrêter de tirer. Et sinon, il serait mort. Il serait dead, le mec. What the fuck? Je peux pas passer. D'accord. Bon, ma tourelle a l'air très très... Ah oui, d'accord, très bien. Donc, en fait, il y a quand même des coins de camp, visiblement, dans ce jeu. Hop, on saute par-dessus. Oh là là. Non, mais toi là-bas. Toi là-bas, je t'ai vu. Okay. Hop, je vais essayer de l'avoir, mais c'est pas garanti. C'est même loin d'être garanti, le bordel, là. Oh! Ok, je l'ai eu. Non, c'est pas vrai. Oh putain, mais je tombe dans le vide à chaque fois. Je suis le seul à tomber dans le vide comme une merde. Mais cette map est très très bien, mais pas facile en fait, parce qu'il y a des trous un peu partout. Donc, mais sinon je l'aime bien, honnêtement.
Encore, voilà, je savais, non, je l'ai su en sautant, je me suis dit, quel con, j'aurais pas dû. Voilà, lui m'a pré-shot complètement, là je pouvais rien faire. Ok, donc je vais peut-être passer par là. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Par contre, je sais pas trop où sont les trous, donc... ce qui fait que je lâche un peu des fois n'importe comment, et du coup ça me fait tomber. Mais c'est pas grave, hein, on est des fous. Toi avec ta toile, tu vas vite te calmer, voilà. Je vais courir un peu plus vite avec ça, là. Ça va me donner un peu de boost. Tout à l'heure, ça m'avait porté chance. Là, visiblement, un peu moins. Bah, là, je suis vers mes potes. Il faut peut-être que je retourne dans le camp inverse pour avoir des potes. Enfin, des ennemis, plutôt. Oh non, 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 putain, merde. Oh, c'est dommage. Ah, j'allais être fier si je le tuais, les gars. Enfin, je lui ai mis max dégâts, là, à mon avis. Il devait être one shot. Oh putain, mais quelle efficace cette arme. Là je crois que j'ai trouvé mon arme pour les petits recoins. Pour rusher, elle va vraiment pas mal. Dégage toi. Putain, je l'ai vu sur la map trop tard. Fais chier. Bordel de merde. Donc en fait les petits ronds, c'est quand ils sont en l'air visiblement. Et il y en a beaucoup en l'air, hein, on peut le constater. Je vais essayer d'aller là-bas en haut moi aussi. Là, je suis complètement loupé. Ok, donc il y a l'air d'avoir du monde par là. Je vais courir. Non, je t'ai tiré sur en premier. Oh putain, ça me saoule. Par contre, quand tu tires en premier sur le mec, il devrait crever quoi. J'aurais peut-être dû drop shot. Ok, donc. Ok, le mec s'en sort easy money. Tranquille, j'ai envie de vous dire. Sans pression. Voilà, assiste très bien. Au moins, il est mort. Oh putain, la vache, je peux plus tuer personne. Je suis reparti en négatif alors que j'avais fait du très très bon début. Oula, par contre, lui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est mort plus que moi, là, du coup, là, j'avoue. Bah, en même temps, il devait être rouge. Il devait être rouge, je pense. Oh, vas-y, t'as piqué mon kill. Qu'est-ce qu'il te fait, toi? Putain, il m'a fait peur. Allez, laissez-moi recharger tranquillement, là. Voilà. Ok, bon. On est des foufous. On est des foufous. On va essayer de se concentrer 5 minutes. Voilà, hop. Il va falloir vraiment le temps de s'habituer aussi. Parce que je l'utilise pas beaucoup, mine de rien, cet exosquelette. Et je pense que c'est une grave erreur. Bah, en même temps, je vais pas l'utiliser pour quoi faire. Enfin, si pour aller sur toi, là, par exemple, ça peut être pratique. Mais je vois personne. Je vois personne, c'est chiant. C'est assez frustrant de voir personne dans un jeu où t'es censé avoir du monde, en fait. Et là, du coup, je vois pas grand monde. Ok. Ta-ta-ta. Oh putain, mais c'est la base. J'ai vraiment l'impression d'avoir un temps de retard. Par contre, c'est assez hallucinant. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas. C'est vraiment. Voilà, je me suis surveillé qu'il y avait quelqu'un. Maintenant, je suis aveugle en plus. C'est plutôt pas mal. En fait, je vais mettre que mes débuts de game. Puis après, je vais quitter. Je vais tout quitter. Parce que là, c'est clairement mauvais. Clairement, je crois que je bats les records. Quelqu'un au-dessus. Tiens, meurs, bâtard. Ok, je me casse. Voilà. Poids plume. Tu es 25 ennemis. En utilisant poids plume, d'accord. Je pense qu'il va y avoir quelqu'un. Non, mais punaise, c'est pas vrai, regardez-moi ça. Regardez, pourquoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le mec meurt non, le meurt pas. Et moi, je meurs alors que je lui tire dessus dans la tête. Je ne comprends pas. Fucking shit, bro. Je fais du combien. Je fais du 14-17. C'est complètement lamentable. Je quitterai pas la vidéo tant que je vais pas faire un score pause. Franchement, ça me saoule. Là, le jeu est très bon, mais voilà, je sais pas, pas pourquoi. Pourtant, regardez, je suis en 5 bars. Je suis en 5 bars, mais pourtant, je suis en train de télécharger là-dedans cette connerie, là. Je sais pas du tout où c'est. Je crois que c'est là. Voilà, si, vous voyez. Donc, du coup, ça pourrit un peu tout le bordel. Enfin, c'est peut-être ça qui pourrit le bordel, je sais pas, on s'en fout. Allez, hein, voilà, j'ai gagné les gars. Alors, perso, est-ce que j'ai gagné quelque chose là-dedans? Non, là-dedans non plus. Les petites mitraillettes, je suis très content. Je vais aller voir. Ah putain, c'est pas vrai, tu es 20 ennemis. Ah d'accord. Ah, ça marche comme ça maintenant. Ok. D'accord, je pensais pas que c'était comme ça qu'on déverrouillait les trucs. Pourquoi c'est tout bloqué là, je comprends pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas tout. Non, on va pas quitter le salon, il était pas trop dégueulasse. 1-1-1. J'ai pas tout compris ce que je viens de faire là. Pourquoi ça? Créer une classe. Là, oui, d'accord. D'accord, bon, alors. Ah, d'accord, j'ai changé de tête. Tout à l'heure, j'avais des lunettes. Maintenant, je suis un noir. Avec une petite mitrailleuse assez musclée. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles-tu?
Jacques Chirac, ok. Ah bah par contre lui il a dit une paire de lunettes à la fleur en panique quoi. Bon, comeback, bon, on va essayer de faire le comeback. Oui, c'est pour le cas de le dire, là c'est le comeback sur Call of Duty Advanced Warfare. Advanced Warfare, je fais plutôt bien l'accent. Advanced Warfare, voilà. Sympa ce jeu, très sympa, je suis désolé pour les parties que je fais, c'est vraiment dégueulasse. Autant je peux commencer une partie correcte, autant je la finis très très mal. Je sais pas pourquoi, c'est le fait peut-être de causer en même temps, je sais pas. Mais en même temps je pense qu'il va vraiment falloir pour tout le monde s'habituer au jeu. Surtout pour moi qui n'ai pas beaucoup joué à Call of Duty. Il faudra vraiment que je me réhabitue à ce que je savais faire sur Black Ops 2, c'est-à-dire pas grand-chose. Là, j'ai pris un sniper qui s'appelle le Lynx. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pris un sniper? Bah, je sais pas. Je suis un peu Ben Laden dans ma tête, je suis un peu suicidaire. Oh, c'est celle-là de map que j'étais contre les bots tout à l'heure. Elle est horrible. Mais non! Mais non, pourquoi moi? Pourquoi je devrais mourir en premier tout le temps? Les gens arrivent de partout. Ok, ouf, le mec est de tense. Je vais tirer, on sait jamais, hein. Ok. Oh oui! Oh non! Pourquoi? 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 Allez, je retourne sur... Je retourne là-dessus pour un petit coup. Hop, 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 hop. Petit quelqu'un, là. Ah d'accord, j'ai eu un espèce de bouclier qui se lève maintenant, tout va bien. Enfin, tu me diras, moi, ça me permet d'encaisser des dégâts. Oh putain, il est là. Voilà, très bien, je l'ai eu. Je suis content. Il est content. Il est content. Allez, meurs, bâtard. Voilà. Allez, on se concentre. Fais du bon. Hop. Ok, je sais pas du tout où il est passé. Il est passé là. Il y en a un autre. J'aurais peut-être pas dû le tuer. Enfin, essayer de le tuer, du moins. Par contre, toi, tu vas peut-être pas m'avoir le spawn parce que ça va pas le faire. Ok, là, il y a personne. Là, il y a. Ah, bien sûr que c'est claqué à quelqu'un. Et hop, dash. Ah, ah, j'en chie. Oui, j'en chie. Donc, en tout cas, j'ai survécu. Je sais pas. Waouh. Ah non. J'aurais dû viser. Là, je sais pas. J'ai paniqué. Là, j'ai eu un coup de panique. J'aurais appuyé sur L1. Je serais peut-être pas mort. Ok, il y a peut-être quelqu'un là. Ok, attention. Drone ennemi au-dessus. Hop. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? On m'a tiré de je sais pas où. Je peux descendre par là, autant le faire. Oh putain la vache, il y a quelqu'un en face. C'est pas vrai, hein. Ils sont partout les ennemis, hein. Ils sont vraiment partout. Oh, il y en a un qui est là. J'essaie de l'avoir. Voilà. Pas du tout, il a pu passer le mec. Le problème c'est que je suis tellement focalisé sur cette sur ce nouveau exosquelette que j'en ai presque oublié des ennemis quoi. Voilà. J'essaie de temporiser un peu un petit coin là, comme ça, histoire de faire un bon score. Enfin, temporiser, de jouer un petit secteur. Waouh. Oh bah vache. Non, tu peux pas passer par là, j'ai essayé tout à l'heure. Dommage pour toi. Marcheur blindé, ennemi en approche. Ouh, vas-y, récupère un peu ta vie, mon gars. On a pris l'avantage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver par là? Je sais pas. On n'a plus l'avantage. Visiblement, il n'y a pas grand monde dans le coin. Oh, si, il y a quelqu'un! Je regarde. Putain, ça, c'est le genre de truc qui est chiant. Tu regardes, hein, puis il n'y a personne. Mais. Vite, il est où? Il est là. Oh, le plus de sang. Je crois que c'est mon premier plus de sang du jeu. C'est assez agréable quand ça passe. Oh putain. Pas d'une sorte, mais. Ok, ça, ça fait plaisir. Ok. Maintenant, on va falloir munir pour chercher les gars. Ok, je pars un peu du coin là parce que c'est un peu chaud à mon avis. Je sais qu'il y en a qui étaient au-dessus de moi. Notre drone est activé. Oh putain. Oh, 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 il est là, il est là. Oh non, oh non. Ah, je les avais brain et tout, je m'amusais avec eux là, mais non, ça va pas durer très très longtemps, hein, autant le dire. Ok, il y en a un là-bas dedans. J'ai vu, hop, je me tire vite parce que il y en a qui sont en face. Hop, 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 voilà. Putain, cette verticalité que le jeu offre, c'est un truc de dingue quoi. Il y en a pas un par là? Non, par contre, il y en a un qui va peut-être monter dans le coin. Là, ça me plaît un peu moyen. Ah, d'accord, tu tombes comme une grosse merde en fait. Ok, bah pourquoi pas, hein, après, c'est ton choix. Hein. Ok, donc, bien. What the fuck? Hop, non! Oui! Non, je sais pas si ça suffit à le tuer, mais.
Ok, de rien. je tire sur le mec comme ça, au calme. Ok, hop. Est-ce qu'ils sont toujours au même endroit? Je sais pas, je vais essayer de passer par là. Oh oui! Il y en a un là-bas au-dessus, je crois. Ouais, non. C'est pas une bonne idée ce que je viens de faire du tout. Ils sont complètement positionnés sur le toit en face. On peut absolument pas les toucher. Donc je vais essayer de faire le tour. Non, il y a personne qui arrive là. Je vais me dépêcher. Tac, voilà. Hop, là. Oh, il y a quelqu'un. Voilà, il est mort. Lui aussi. Non, lui, il est gentil. Oula, il fait le foot. Ah, ils sont plus sur leur toit, ça c'est bien. On va pouvoir un peu bouger. Un peu plus. Est-ce qu'il est... Oh, d'accord, ok, il est revenu. Il aime bien, hein, il aime bien son roof là-bas. Le mec, il veut pas bouger. Hein. Don't move the roof, he's mine. Oh, fuck! Oh la vache! Oh! D'accord, derrière. Si ça aurait été devant, j'aurais une chance d'en sortir, mais là derrière, clairement, beaucoup moins. Oh non! Oh là, j'ai fait une bonne partie, je pense. Là, j'ai fait une. Je pense que j'ai fait une plutôt une bonne partie, je suis plutôt content de moi. Quitte à garder une, j'aurais gardé celle-ci, mais franchement, très bon jeu. 18-11, ah oui, bah ça va. C'est pas trop dégueulasse. C'est pas trop dégueulasse, j'ai fait comme. Ah non, un peu moins bien que le premier. C'est dommage. Il a fait quand même plus de points que moi, il a peut-être pu... Bah je sais pas pourquoi, je sais pas. Il est mort moins de fois que moi, mais il a fait autant de kills et puis autant d'assistance, donc je sais pas. Je sais pas, bref, en tout cas, donc je vais arrêter cette vidéo d'Advanced Warfare maintenant pour la découverte du multijoueur, n'est-ce pas? Donc je ferai également une découverte du solo, je tiens à le préciser. Voilà, donc vraiment, pour le moment, ce que je peux vraiment vous dire, c'est que c'est un excellent... Enfin, pas un excellent... C'est un bon jeu, pour le moment c'est un très bon jeu, c'est un bon jeu multijoueur. Hop, je quitte le salon, bienvenue dans la campagne. Alors, créer un compte gratuit Call of Duty pour tirer des avantages suivants. Obtenir des news, rejoindre un clan et jouer avec vos amis. Tac, tac, tac. Okay, vous pouvez gagner de l'XP en gagnant un jeu exclusif. Je m'enregistrerai après. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, donc je suis désolé pour les gameplays pas top, à part le dernier qui est à peu près potable. J'espère que ça vous aura bien plu, que vous aurez plus du plaisir à regarder. Et on se retrouve donc à très très vite pour de prochaines vidéos sur ce jeu peut-être. Donc, je rappelle encore une fois, c'était sur PS4. Et puis voilà, donc portez-vous bien, allez, salut à tous, ciao bye bye.